Aujourd'hui, première immersion, immersion 2. Ok, donc où ça va, donc il faut pas s'inquiéter car le réseau ici est instable, ça vous le savez déjà hein. Alors ici une mosquée. Là ici on a une mosquée là. Ah oui c'est là, vous Kirin. Chérie. Voici Rambani. Voici Rambani la chaîne. Bye. Ah oui, tu as mis les moyens. Il est moins bien goût. Alors, on va voir un petit peu plus de choses. Mamadou, le réseau n'est pas très bon. Le réseau n'est pas très bon, mais bon, ça peut faire l'affaire, ça fait l'affaire. Après, on prendra par la plage. Vamos
Alors ici on a le plateau de Mtsara qui est là, ainsi que le terrain de foot. Alors ici c'est le plateau de Mtsara. Vous avez déjà vu hein, de toute façon le plateau de Mtsara. On va pas s'éterniser là-dessus. Ici le terrain de foot. Une école ici. Ça doit être une école primaire. Le terrain de foot en catastrophe. Il y a plein de trous ici. Vous voyez, il y a plein de trous. Tout ça a besoin d'être refait depuis des années. Il y a un gros trou là. C'est pas un terrain. Alors on va faire un coucou là. Déjà, il n'y a plus de gazon et lui, il est en train de bouffer là encore. Un petit coucou. Arrête de fuir. Les ours gagnons et les gagnons. Comment il a fait pour rentrer là? Bon, voyons. On va... On va continuer, donc ici la zone jeunesse et sport. Et là on va prendre la plage, on va passer par la plage un petit peu. Le but de l'immersion 2, c'est ça. Donc on va descendre à partir d'ici. Alors ici on a la plage de Mtsara, un petit peu trop caillouteux, il y a beaucoup de cailloux, donc qui va jusqu'au fond là. Et nous on va longer le long, d'accord, là j'ai fait un 360, on va longer la plage et on va remonter jusqu'au croisement. On va pas aller totalement au bout de la plage.
Ici, avec l'association Rando Clean, on avait nettoyé. On avait fait un grand nettoyage ici. Donc pour l'instant, ce que j'aperçois, c'est parfait. Quelques déchets qui traînent, mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, un truc, il faut qu'ils travaillent vraiment sur les réseaux, le réseau téléphonique à Mayotte, parce que c'est vraiment catastrophique. On paye des forfaits et ça capte pas. C'est vraiment pas cool, hein. Ah ouais. Dans tous les domaines, on est dans des soucis. Alors ici, je me rappelle, j'avais enlevé un pneu. Ils l'ont remise ou quoi? J'avais enlevé un pneu ici. Mtsara les amis, Mayotte. Donc là on est dans le nord, la commune de Mtsamboro. Donc la petite immersion 2 que je vous avais dit que j'allais la faire. Alors est-ce qu'ici on a un chemin? Donc on va pas aller jusqu'au bout, on va juste prendre là. Alors jusqu'ici il y a les escaliers, hein. Il y a un passage piéton là. Là, non, c'est pas un truc propre qui est fait. Ici non plus, c'est un petit chemin en terre. Tout ce qui va bien, c'est parfait. Allez, n'hésitez pas à partager le live, les amis. N'hésitez pas à partager. Allez, on partage. Je sais que c'est flou, hein. Mais c'est le réseau qui est pourri. Le réseau est complètement pourri. Alors ici, j'ai jamais su ce que c'était, cette place-là. Alors ici, les déchets, hein, toujours. Cette question. Le reste des travaux. Alors à partir d'ici, on va bien capter pour bien voir un Mtsara. Alors, je fais un point de situation. Là ici, on capte bien. C'est parfait.
Bonjour Amtara. Ici il y a une mosquée. Il y a une mosquée là. Je ne sais pas si c'est la mosquée de vendredi ou pas. Ça doit être celle-ci, parce que généralement, c'est au niveau du centre-ville. La place publique de Amtara. Elle est ici. Et nous, on continue. On va aller Ça va. Alors, la biodiversité maritime. La biodiversité maritime, regardez ce qu'on trouve. Vous voyez, dans les canalisations, vous voyez, la poussette bébé. On trouve de tout, hein. Il y a de tout, hein. Je vais faire un petit zoom là, pour que vous puissiez voir. Et voilà, c'est ça ce qui est dommage ici, à Mayotte. Qu'on puisse observer ça. En haut. Oh. Voilà. Je reviens sur mon chemin. Très vite, si on passe entre les maisons, on n'a pas du bon débit, du réseau. C'est ce qui est difficile, ce qui rend difficile la tâche ici là pour faire les immersions live. C'est vraiment compliqué. Ici le Banga Vagabond, comme ils les appellent ici.
Donc grâce à moi, vous allez avoir une image un petit peu du bled. Parce qu'il n'y a personne qui fait ce boulot là, à part moi. Hein. Les immersions live, comme c'est ça, c'est ce que je viens de faire. On va aller checker un petit peu à la plage de ce côté-ci. Vous voyez, même si, même ici, les chemins, il y a plein de déchets là. Il y a plein de trucs, c'est pas propre. Alors, ça, c'est un petit peu original. Un petit escalier comme ça. Ça va? Donc d'ici on aperçoit l'îlot Mtsomboro qui est là en face. Donc on va continuer Bravo, vous voulez voler ça? Alors, ici les déchets, mais ça reste quand même propre, faut lui dire. Là, là, un petit banga vagabond. Alors on va descendre un petit peu pour voir ça. Alors c'est censé descendre comme ça et aller à la plage, donc ça, ça sert à rien en gros, c'est un passe là. Je sais pas à quoi ça sert parce que ça mène jusqu'en face de la maison là. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'escalier qui descend à la plage. Voulez voler Barco? Alors ici petite place qu'on a là, ça donne en hauteur, ça donne ça. Donc ceux qui posent des questions, on est toujours en Tsahara, hein. Donc ici je vais, on va monter. On va passer par ici, là, on va monter. Et puis après, on va redescendre par la route principale. Même que ce qu'en fait, vous pouvez constater, c'est le niveau du réseau qui est pas, qui n'est pas très, très puissante. On a encore ces maisons ici. Elles datent, hein, ceux-là. Ici, on a une mosquée là. Je vais prendre ce croisement là en immersion 1. Je ne suis jamais passé par ici là, immersion 1. Donc j'essaye vraiment de passer partout pour que ceux qui sont en France puissent voir, hein. C'est important.
Allez, partagez les amis, partagez les lives, partagez le live. S'il vous plaît, pour le soutien. Là, ici. Donc là, on sort sur la route principale. Donc moi, je vais bifurquer par ici, là. Là, on sort par ici. Alors, on va vérifier les caniveaux. Bon, ici, c'est à peu près correct. Sauf là. Mais là ça va, de l'autre côté non. Ah, c'est très pollué. Alors, un petit peu rentrer sur les chemins là. Ici, un petit chemin qui mène à la plage. On va voir qui c'est qui est là. Alors la plage, elle continue jusqu'ici. Alors, on va aller voir ça. Wow, ça va. Alors, ici, on a une petite extrémité de la plage de Mtsahara, qui est ici. Mais pour se rendre, il faut passer par le chemin où je suis passé, ou là-bas, là où vous voyez le gars. Donc on est toujours à Mtsahara, c'est une extension pardon, qui est au plus à droite. D'accord, il y a des bateaux. Ici aussi. Donc voilà. Ici aussi très pollué. Hein. On voit la pollution d'ici. Les tissus, etc. Les canettes, etc. 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 Hey. Donc on remonte tranquillement
Donc, c'est chemin d'Iala Buena, chemin d'Iala Buena ici, et chemin Manuru. Les deux. Donc, je reviens sur mes pas. Ok, alors ici on revient sur nos pas. Alors, ici aussi, il me semble qu'il y a une mosquée là. Mosquée là, place Fundi Chiti, chemin Chupa. Allez, on partage, partagez le live s'il vous plaît, on partage les amis pour le soutien. Ça c'est du boulot hein, de diffuser comme ça. Ça demande du fluide, du courage aussi. Alors. Alors jusqu'ici on a du bon flux, ça va, on capte bien, il n'y a aucun souci. Essayer d'avoir une petite vue ici qui est très sympa.
Alors ici, on va essayer de bifurquer par le bas. Je vais passer ici, là, les petits chemins, là, pour voir ce qui s'y cache. Ça doit être un cul-de-sac. C'est chez qui que ça s'est cassé la gueule? Ici des escaliers montantes pour monter sur la route principale. Les rues que vous connaissez pas, là où vous ceux que vous connaissez pas, les endroits que vous connaissez pas, eh bien, vous les voyez aujourd'hui avec moi. Là où vous êtes jamais passé. Donc ici ça reste toujours Amtsara, Amtsara, Shingo, Maji, Sukari. Le petit frigo. Alors, qu'est-ce qui s'y cache là-dedans? Alors, d'ici, on peut avoir une belle vue. Allez, on va aller voir. Ah, parfait. Ici, le soir, tu viens te poser là. Punaise. Ah, on a une vue magnifique. Magnifique, les amis. Une vue magnifique. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Mayotte et sa nature. On voit les îlots de Mzamboro, le grand îlot, les îlots, les plus petites. C'est assez sympa. C'est assez sympa, franchement. Ça donne envie de rester ici. Juste avec un petit parasol là. Les manguiers qui commencent à fleurir bientôt, novembre, décembre, on pourra en manger des mangues.
Donc tout ça, c'est un Sahara, les amis. Ceux qui connaissaient pas, ils ont mis des parkings ici. Hein. Vous pouvez en mettre jusqu'en bas. Mais bon, il y a des bananiers ici. Ils ont construit comme ils peuvent. Alors ici on peut choper une vue ici. Je vais tester là. Si on peut avoir une vue là. Waouh, c'est encore nettement mieux ici. Hein. C'est encore nettement mieux la vue ici. Punaise. Waouh. Venez-y prendre vos photos ici. Aïe. Je peux vous en dire que c'est la plus belle vue qu'il y a à Amtsara, enfin parmi. Si on monte un petit peu dans les hauteurs, oh, on peut encore mieux voir. Ah ouais, quelle fraîcheur, franchement. Ah, c'est le pied hein, de venir dans des endroits comme ça là. On vit ça une seule fois dans sa vie. Hein. Oui. Alors ici t'as une rue qui descend. On va prendre là. Allez, on partage les amis, on partage le live. On partage s'il vous plaît. Voilà. Donc là on est sur la route principale. Si on va ici, direction Andema. Et si on va là, direction Mtsamboro. Alors, guette, on va encore prendre une vue là. Regardez, on monte un tout petit peu en hauteur. Encore une fois. Ici. Là. Il y a même des jacques là. Regardez. Il y a des jacques là. Et voilà, voilà encore un Sahara en hauteur. On était plus en bas, et là maintenant on est un cran au-dessus. Non, ça donne ça. Un Sahara, vue de profondeur. C'est parfait. Une belle carte postale, les amis, n'est-ce pas? Voilà, quand je vous dis que Mayotte a encore de la rigueur. Et ce qui est dangereux ici sur les routes, c'est l'absence des trottoirs. Car vous voyez là, ici, il n'y a pas de trottoir. Hein. Ni de l'autre côté, ni ici. Hein. Donc ça reste très dangereux parce que c'est très étroit. Donc on va marcher un tout petit peu. Ah, c'est dangereux de faire de la marche ici ou de courir. T'as pas de...
bêtises au boulot là. Alors. Alors, pourquoi je me mets dans ce sens-là? Vous allez comprendre pourquoi je me mets dans ce sens-là. Vu l'absence des trottoirs, vu les absences de trottoirs piétons ici, je me mets le côté gauche pour voir le danger en face. Si je me mets le danger à dos, c'est-à-dire passer sur le côté droit de la route, ben, c'est plus dangereux, l'objectif qui vient derrière nous, on voit pas et tu te fais vite renverser comme ça. Donc toujours un Mtsara, bon je bascule dans ce côté là, dans le but de vous montrer ce qu'on voit d'ici. Mtsara toujours. Alors ici on a les escaliers qui descendent jusqu'à là où on était. Alors, est-ce que les maisons, ça donne accès pour aller voir la vue? Ah, si on peut monter sur celle-ci, je crois que si on peut monter sur celle-ci pour aller voir la vue. Ouais, super. Donc à chaque fois on passe ici, là, vous voyez, Mtsara, à chaque fois on passe ici, on passe là aussi, mais jamais... On s'aventure ici là. Vous voyez, regardez tout de suite ce qu'on va voir d'ici. Regardez. Regardez. Ceux qui sont à hauteur, ils sont vraiment bien. Hein. Ils sont vraiment bien parce que ils ont la chance de voir tout. Une petite vue 360. Voilà. Et voilà les amis ce que ça donne. Je sais. Je sais que vous appréciez
ce moment. Alors, appréciez et partagez avec moi. Alors, on va aller voir le quartier. Quartier rue mairie annexe. Allez voir là. Ici, je vois pas le projet, pourquoi ils ont fermé là alors qu'il y a des escaliers. Alors l'annexe de la mairie qui est ici, voilà. Bon, on reviendra après. On va filmer un petit peu ici le coin. Comme ça. Si, si. Toujours même ça, hein. Deux petites vues. Salam alaikum. Ça va? Ah, ça va, alhamdoulilah. Alors, ici, on est dans le quartier le plus haut de Mtsahara. Quand vous prenez la pointe de Mtsahara, venant de Andema, eh ben, tout de suite à votre gauche, quand vous prenez la route principale, eh ben, à votre gauche, il y a un quartier qui est ici. Ben, c'est celui-là, là, que je vous montre. Donc, les gens n'ont pas l'habitude de venir par ici. Mais il y a un quartier, et c'est celui-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait un immersion 2 pour venir aux endroits où j'ai pas pu venir filmer. Alors on va encore plus monter en hauteur. Pour filmer, regardez la chance qu'on va avoir encore.
Allez, je continue. Vous savez, même moi, j'ai jamais mis les pieds ici. Hein. Même moi, j'ai jamais. C'est la première fois que je mets les pieds là dans ce quartier là, là où je suis là actuellement. Donc profitez bien de voir tout ce qu'il y a. C'est intéressant, c'est important. Eh oui, les gens viennent pas forcément visiter ici, mais il y a un quartier. Ça va quoi. Il y a un quartier ici. Wow. Ici on peut choper une vue. Chut, des trains. On va aller voir si on peut choper une vue. J'ai glissé. Il faut que je fasse gaffe. Il y a du gravier là, là où je suis passé, les escaliers. J'ai failli me casser la gueule. Alors, là on est en train de gruger hein, pour avoir la vue. Donc vous avez vu. Aïe. C'est impressionnant. Impressionnant. La beauté. Alors. Vite, on s'arrache. Eh oui, c'est les risques. Les risques. Alors, alors tout ça c'est les quartiers, hein, c'est le même quartier. Oh non, 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 non. Regardez, ça en France on ne jette pas. Un grand écran, regardez ça là, écran plat. Venez le récupérer les amis, je suis sûr que c'est réparable. Je suis sûr que c'est réparable. Une petite pièce et tu repars la télé. C'est sûr. Eh. Elle est pas fichue. Je vous montre le coin. Donc, la pointe de M'Tsara, vous descendrez la mairie annexe et vous montez dans les quartiers ici en haut. Et vous allez tomber sur la télé.
Venez la récupérer, les amis. Venez la récupérer, je vous dis, ça vaut le coup. Regardez, je vais la bouger, que vous puissiez voir. Regardez. Elle a rien. Ça, tu l'as fait réparer pour rien du tout et tu la vends très cher. Voilà. Ça va trouver preneur. Je sais qu'il y a des mecs qui vont venir la chercher. Alors, venez la chercher. Alors, ici, on a la route qui descend côté annexe de la mairie. Et l'autre côté, ici, on va aller sur un autre quartier. D'accord. Alors. Bon, je vais aller sur l'autre quartier. Que je suis jamais allé, donc du coup on va le faire. Ça capte pas bien. Alors on a pas du débit, on a pas du débit. Allez. Donc, je fais pas l'autre quartier parce que il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de très bon débit. Comme j'avais dit, le débit est très moyen. Donc l'inconvénient qu'il y a ici sur les immersions, c'est qu'il y a des endroits où ça capte pas bien forcément. Et du coup, je peux pas vous montrer parce que ça capte pas bien. Donc l'annexe de la mairie. Descendre directement sur l'annexe de la mairie. Alors donc ici on a l'annexe de la mairie de Mzambo. Comme là, même si on a filmé, pas qu'après, moi, je vais dire, ah si, filmé, là, elle m'a laissé dans la gueule.
Lui, il a de la chance, hein, encore. Il aurait pu monter 3 étages ou 4. Il a construit que ça. Alors comme ça, ça va. Alors on va monter un tout petit peu ici, sachant que ce quartier là, ça capte pas bien. C'est vraiment la merde au niveau du réseau, donc c'est pas top. Ah, vous voyez, à peine que j'ai commencé à monter là, il n'y a pas de débit. Dans les villages, au moins, il devrait y avoir des relais pour que ça capte bien dans les villages, parce que c'est vraiment pas trop ça. Ah, ici, l'accumulation des déchets là. Là, c'est du n'importe quoi là. Toujours. Les déchets, c'est toujours du n'importe quoi, hein. Ça, je peux vous le dire. Toujours un petit. Salam alaikum. Ça va. Bon les amis, alors si
immersion de Dom Sahara. Ici s'achève notre immersion de Dom Sahara. D'accord. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne route pour vous, pour ceux qui rentrent, et une très bonne fin d'après-midi pour vous. Merci pour le partage. Merci pour ce moment de partage ensemble. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, Inch'Allah. Assalamu alaikum.